speak up. Bon après-midi, tout le monde, membres et délégations ministres, et welcome back. Bon, nous sommes capables de passer sur item LGB avec motion pour wave notice pour second reading. Merci, Mr. Speaker. Bon après-midi, Mr. Speaker, ministre ou délégation, tout le monde et tout le monde qui peut suivre nous. Mr. Speaker, en bas de 97N, mon motion est road ou permission pour suspendre ordre 69N pour permettre que Trust Bill 2021 y gagne une deuxième fois, malgré que sa période 7 jours depuis qu'il gagne la première fois, pas encore fini. Merci. Merci. Nous gagnons un second, man, please. Honorable Marie. Motion seconded, Mr. Speaker. Merci. Nous avons voté la motion pour wave notice 7 days. Membre qui a faveur, les blancs, s'il vous plaît. OK. Aucun membre qui compte? Right. La motion pour suspendre order 61-9 to allow for the second reading of the Trust Bill 2021 earlier than 7 days, 23 membres in vote pour, 0 contre et 8 abstentions. Donc, motion in approuvée pour prendre sa bill. Et moi va OK, nous, qui nous fait là, nous invitons le ministre pour faire une présentation. Nous pouvons faire une motion for second reading. Yes, motion for second reading, Honorable George. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, on va avoir de 69D, new standing orders. Mon move qui Trust Bill 2021 est gagné une deuxième fois. Merci. Merci. Secondé, s'il vous plaît, Honorable Henry. Oh. Motion est secondé, Mr. Speaker. Merci. Honorable ministre, nous invitons pour faire une présentation. Monsieur le Speaker, honorable leader de l'opposition, honorable leader des affaires gouvernement, tout bonnement honorable l'Assemblée nationale, tout le monde qui peut écouter, bon après-midi. Je peux venir devant l'Assemblée nationale pour présenter un nouveau la loi Trust, qui peut remplacer un vieil la loi International Trust qui datait depuis 1994. Un vieil la loi qui tient comment un premier produit pour le secteur offshore ensemble avec vieil la loi International Business Companies Act 1994 et International Trade Zone Act 1995. Monsieur le Speaker, il bon noter qu'il peut de sa dernière 25 ans, il n'y a pas aucun amendement substantiel qui a fait de sa loi pour moderniser en lien avec le développement secteur financier et business en général. Et ça, est la raison principale pour sa nouvelle loi. Monsieur le Speaker, deuxième raison, c'est pour inclure une provision nécessaire pour que ceci soit capable de vivre en conformité avec les standards OECD et FATF. Côté, il concerne l'encadrement de l'essence d'information, la taxe vis-à-vis de sa produit financier. Monsieur le Speaker, on peut donner un petit compte rendu, donc qui si ça un trust, pour que tout le monde comprenne plus bien le contexte de la loi et que son bon provision est important. Monsieur le Speaker, un trust, il y a l'agrément fiduciaire contre un parti, un individu ou bien la compagnie, qui nous appelle un settler, qui en a sa pouvoir légal pour établir un trust. Il donne l'autre parti, un individu ou bien la compagnie, qui nous appelle un trustee, sa droit pour gérer son bon propriété ou bien bon bien pour qu'il y ait l'autre partie qui nous appelle lui bénéficier, capable bénéficier.
Monsieur le Speaker, un tueur s'est établi pour donner ça l'encadrement et protection légale, le bon bien qui s'assette là, in transfert et ça et qui s'abonne bien, il gagne partagé en lien avec souhait s'assette là, qui donne ça l'agrément qui appelle trust deed. Il bon noter que sa nouveau la loi trust, il modernise strictement sa produit pour que ceci devienne une juridiction plus compétitive avec les autres juridictions qui offrent même qualité produit. Monsieur le Speaker, à part qui ça, nouveau l'encadrement de trust dans sa totalité, bonne provision qui est prominent et nouveau dans la loi est comme suivant. Trust Protectors. Monsieur le Speaker, normalement, un cette loi est capable de pointer un protecteur pour superviser sa trustee qui pesait sa bonne propriété ou bien bonne bien. Sa protecteur n'a pas aucune influence. Mais avec sa nouvelle loi, nous pouvons introduire une provision pour qui protecteur y en a pouvoir vito, le certain décision qui sa trustee y prend. Un moyen qui est capable dans l'influence, de qui moyen sa trustee gagne. Ça, pour faire si qu'il y en a une supervision adéquate par un autre monde indépendant pour assurer qu'il n'a pas aucun habit et qu'il y en a plus de contrôle pour protéger bien tout le monde dans sa trust. L'autre provision est variété activité trust. Monsieur le Speaker, ça la loi puis améliore une provision spécifique qui est liée avec sa qualité trust. Ça y inclut trust qui en a bénéficiaire, pareil mon décrit auparavant, trust qui est établi pour raison charitable, trust qui est établi pour raison non charitable et bon hybrid trust. L'autre provision est pouvoir settlers. Monsieur le Speaker, sa nouvelle loi peut aussi introduire une provision spéciale pour donner certains pouvoirs à sa settler en relation avec l'aménagement de sa trust. Ça y est une provision qui n'y a pas avant et nous peut introduire pareil certaines juridictions y en a. Sa bonne pouvoir pour donner confiance à sa settler lors l'aménagement de sa trust. L'autre provision est le record financier. Monsieur le Speaker, sa provision est reliée avec Global Forum OECD. Quand nous pouvons exiger que trustees et que tout record financier, accounting records, pour tout trust qui est en bas de l'administration. En bas de l'administration, c'est celle de l'office qui est enregistré. Sa bonne record est supposé qu'il en forme électronique pour 7 ans. Et si sa trustee est en train de faire business, tout record est supposé qu'il donne avec FSC ou bien un individu ou bien l'accompagnant qui l'autorité inapprouvé. Ça, il peut faire ici que tout record est accessible, c'est celle. L'autre provision est préservation d'information. Monsieur le Speaker, nouvelle obligation pour introduire le tout bon trustees pour préserver l'information bon trust en base de l'administration pour au moins 7 ans. L'information y inclut bon registre qui ont besoin de quitter vis-à-vis sac trust et record financier. Ça, l'obligation pour aussi couvrir l'information. Bon trust qui ne termine ou n'est plus existé. Il est un trustee, il arrête son opération, il a besoin de donner tout sa record FSC. Ça, pour assurer qu'il ait l'information qui est demandée par l'autorité en dehors CCL, sa bonne information est capable d'avoir accès par l'autorité CCL, et spécialement la commission revenu et gagner sans lui. L'autre provision est trustees pour dévoiler son statut. Monsieur le Speaker, en lien avec le standard FETF, ça la loi peut introduire une nouvelle obligation pour que les trustees dévoilent son autre statut comme un trustee avec une institution financière, par exemple la banque, les autres faits transactions financières. L'autre provision est Private Trust Companies. Monsieur le Speaker, cette nouvelle loi peut aussi amener consequential amendments pour Private Trust Companies qui peuvent être introduits dans l'amendement de la loi International Corporate Service Provider. Et aussi devant l'Assemblée. L'autre provision, il trust en écrit. Monsieur le Speaker, sa nouvelle loi peut faire provision qui tout trust CCL, il gagne fait en écrit. Ça, c'est pour faire si qui tout trust y en a sa confidence légale et en pièce confusion et désaccord qui arrive les trust, il gagne fait verbalement. L'autre provision, il résident CCL pour capable vivre un settler. Monsieur le Speaker, consistant avec la loi IBC et Foundation, sa nouvelle loi pour faire provision qu'un résident CCL pour capable de s'être là
En ce moment, ça n'est pas possible en bas la loi International Trust 1994. Mais par contre, ça nouveau la loi pour limite, quoi qu'il pourrait définir comme propriété et bon bien qui basé CCL, qui pour capable de mettre dans le trust. L'autre provision, il roule la cour. Monsieur Speaker, ça nouveau la loi pour aussi donner plus de clarité le rôle la cour en relation avec trust. Cotisement qui a fait pas créer confusion avec trust qui a régularisé par la loi et l'autre juridiction laisse à trust qui a géré par un trustee ici CCL. L'autre provision est foreign trust. Monsieur Speaker, ça nouveau la loi peut faire provision qui foreign trust qui a reconnaît CCL. Mais par contre, foreign trust pour besoin conforme avec différents critères qui pas pour en contradiction avec les autres la loi CCL, spécifiquement ben la loi qui dit avec propriété et bien basé CCL, par exemple la loi la terre business et pas de ben l'accompagner. Monsieur Speaker, pour qui ça ben changement policy even légal qui CCL y en a un nouveau la loi trust qui reflétait marché financier moderne et qui nous restait en conformité avec nous ben l'engagement envers communauté internationale. On vous présente avec l'Assemblée nationale pour votre considération et l'approbation sa nouveau projet de loi Trust 2021. Merci, M. le Speaker. Merci, ministre. Floor est ouvert pour débat. Le bill, après présentation, ministre. Honorable Georges. Merci, M. le Speaker. Merci, ministre, pour l'explication. Bien détaillé dans ce qui est devant nous, un bill assez considérable dans son grandeur. Mr. Speaker, aujourd'hui, il y a un jour assez intéressant pour nous, l'Assemblée, qui peut regarder sa Trust Bill qui est devant nous. À cause, pareil, ministre, il nous fait nous comprendre. Nous pouvons migrate un petit peu sa juridiction offshore, le territoire CCL. Et là, nous faisons un petit pas aujourd'hui pour laisser ces lois résidents CCL capables de faire un premier pas dans un grand aventure qui, dans les autres pays, c'est au Royaume-Uni que le Trust a inventé dans le Moyen-Âge pour capable entrer dans sa l'aventure. À cause d'un trust, il y a un bon quelque chose, mais il y a quelque chose assez spécial. Et mon croix, ici, c'est celle nous faisons aller bien. Nous prenons tailler, nous prenons le temps pour nous arriver là, quand nous pouvons aller aujourd'hui. Malgré ça, principalement, c'est la loi qui est devant nous. Et c'est still la loi qui peut focus l'eau étranger, bon du monde qui pas vivre CCL pour set up trust, à cause il y a un sabon produit qui nous services financiers peut offrir à bon individu ou bien bon entité en dehors CCL. Et donc nous raison primordiale, c'est pas pour donner un nouveau capacité l'investissement pour bonne cesse loi, mais plutôt pour le road et puis l'argent avec bonne qui en dehors cesse. Mais mon dit qu'il y a un jour intéressant pour nous l'Assemblée à cause la porte peut ouvrir un petit peu pour laisser nous entrer et nous connaît qui l'a ouvert la porte un petit peu. Ce qui peut arriver, c'est qui in time. Ici, c'est celle que nous pouvons accepter et nous pouvons même, nous pouvons domestiquer sa concept trust et nous pouvons faire qui nous aussi, c'est ces lois ou bien bonne résidence, c'est celle capable en ayant une capacité pour faire bon trust. En effet, M. Robert, il même aujourd'hui paraît pour faire certaines propositions pour ouvert un peu plus grand à la porte, mais ça, il y a quelque chose qui l'Assemblée d'aller
Un peu plus tard, nous va regarder si nous devons être préférés là ou bien si nous devons être préférés dans un deuxième les temps. Mr. Speaker, les trusts qui ont inventé, il est assez simple dans son concept. Et ça, c'était qui un dimoun, il met toute son propriété dans un lot dimoun qui trust, hence the word. Et il trust sa dimoun tellement qu'il est capable un jour de venir dire rendre-moi mon propriété ou bien garde propriété là-bas et sa dimoun va administrer lui pour son bon beneficiaries. Et ça, c'est un concept assez simple pour comprendre, à cause où tu donnes tout bien et où tu nommes un certain l'institution, ou bien une certaine quantité de beneficiaries, ou bien un certain purpose, ou bien un certain quelque chose de charitable qui au trust pour bénéficier. Et où il n'y a aucun droit, manage sa trust encore. Si on a une séparation, un miracle entre sa dimoun qui settle sa trust, cette loi, avec son bon trustees, avec son bon beneficiaries. Et un concept assez propre, assez clair, d'une façon légale, et c'est facile pour suivre. Et le ministre explique nous hier, ou bien c'est Spayette, pour ne pas rappeler lequel, qui c'est ça un petit peu concept fondation. Les ou set up une fondation où il n'y a aucune mainmise là, ça qui arrive après. C'est bon du monde qui gère sa fondation, sa conseil ou whatever qui gère sa fondation, qui en a ça quelque chose. En effet, Mr. Speaker, là, en mesure que nous pouvons causer là aujourd'hui, il y en a un caisse qui est en cours. La fondation, c'est celle qui a créé, c'est celle, pas un dimoun très risque de rester Monaco, la propriété qui Brussels, manage par un avocat en Suisse à travers de la compagnie Maurice. Et c'est ça qui OECD, par contre, à cause, je ne suis pas capable de suivre, je ne suis pas capable de connaître à un certain moment lesquels qui. Lesquels qui vraiment ça. En effet, il est plus compliqué que ça, à cause. Ici, c'est celle, on a un council, et on a un registered, un CSP, qui. Même les autres, tout la guerre, ils n'ont pas envie de dire lesquels qui ont ça, lesquels. Ça bonne, quelque chose, ils ont créé, et nous avons besoin d'accepter, dans. Avec débit. Un, c'est pour Banzimoun qui a envie de servir les autres bien. Banzimoun qui est un high net worth individu, qui a envie de protéger les autres bien. On a un bien qui n'a pas envie aux héritiers dissiper. À cause qu'on est comment on fait amnésier, si on met ça aux autres noms, les autres pour divertir content, quelquefois, et ou pas envie de faire ça, ou envie de protéger ça bien pour génération et génération et génération, alors vous mettez-le dans un trust. Et vous choisissez bon des gens qui ont trust pour manager sa trust, et connaître qu'au bon bénéficiaire, il va bénéficier. Ça, c'est son l'esprit pire et simple. Mais nous aussi connaissons qui, certains des gens qui ont high net worth et qui n'ont pas envie que l'autorité taxe ou whatever dans notre pays, ils connaissent. Il crée un trust. Et plus offshore, plus bon. Plus il est dans une juridiction qui est opaque, plus bon. Et il couvre lui à travers un petit peu ce scénario qui m'a donné l'exemple tout à l'heure, pour qui il est difficile pour suivre le paper trail. Et là, quelque chose devient un peu plus compliqué. Et il commence avec l'Angleterre. Et là, quelquefois, certains disent, on va dire l'hypocrisie, et quelquefois, ils avaient un peu raison, à cause de l'Angleterre, lui-même, lui. Il y en a Isle of Man, il y en a Channel Islands, comme des juridictions qui font ça avant quelque chose,
Meli Pevin parmi bon groupe et OECD et FATF, etc. Puis une mettre pression le bon plus petit pays par nous. Mais ça, sa conversation est en fait depuis hier, mon pas le retourne là-dedans. Ce qui m'a envie de dire, c'est que l'Angleterre, lui, de bonne l'année 90, 96 à peu près, il commence sans la loi Trust pour permettre qu'il s'amiraille entre cette loi avec trustees ou entre trustees et beneficiaries, il commence à crumble. Il commence à dire que cette loi est capable de donner certaines directions trustees. Et trustees est capable, dans l'intérêt des beneficiaries, engage avec beneficiaries de la façon qu'ils aient sa trust et ils managent, etc., pour autres biens. Et nous voyons que sa séparation commence à disparaître. Et là, aujourd'hui, nous voyons que dans certaines juridictions, pareil pour nous, il disparaît complètement à cause d'un settler, il est capable lui-même d'être un trustee, un protecteur, un enforcer et un beneficiary. Donc, il est capable de créer un trust pour le peuple et corps, en quelque sorte. Et moi, pas qu'on est. Et moderne, oui, c'est la façon qui quelque chose pour arriver dans l'avenir. Et quelquefois, il est bon. Ces autres bons experts, M. Robert, spécifiquement, SS, ministre, qui dans sa secteur, pour un peu de temps, qui peut dire nous si ça c'est un bon quelque chose ou bien pas un bon quelque chose. L'un côté, nous voir qui, enfin, moi personnellement, on n'a pas aucun problème avec un trust. On croit qu'il y a un véhicule qui stand the test of time, pareil anglais dit. Qui peut permettre, même si c'est loi aujourd'hui, capable de mettre son bien, pas bon, pas à la terre, pourquoi? Et il m'a vu le lat à l'air un petit coup, capable mettre son bien à l'abri, son bon héritier ou à l'abri, son. Un des mondes qui a une relation avec, et faire ici, qui sait bien quand il manage pour bénéfice d'une certaine quantité de beneficiaries ou bien. Une entité charitable ou whatever. Mais de l'autre côté, il peut venir un petit peu problématique, Mr. Speaker, si il n'y en a aucun lobby qui est arrivé. C'est pour ça qu'ils sont contents que ça la loi aujourd'hui peut close un peu sa bonne loophole possible pour empêcher sa lobby. Et pareil, on dit ça bon pays qui bénéficiaient à travers Concept Trust, qui n'invente ça eux-mêmes, aujourd'hui, c'est eux autres qui peuvent fermer un peu bon la porte à cause de bon du monde dans les autres parties du monde. Ils peuvent faire ça qu'ils ont inventé et peuvent bénéficier à travers ça. Et quelquefois, eux autres ne peuvent pas gagner une bonne retombée économique qu'ils ont souhaité gagner à travers ça bonne quelque chose. Et nous voyons qui ou capable, non, pareil, le ministre expliqué, un trust qui a beneficiaries. Moi, mon ai un bout de la terre, avec un petit business là, un petit business guest house, disons. Et mon pas envie qu'il ait mon fait mon lisier, qu'il mon bon enfant pour faire sa guest house, à cause qu'il y en a un nom renommé. Alors, mon mettre dans un trust, d'une façon qui, je n'ai pas beaucoup à vendre, je n'ai pas besoin de continuer, de bon trustees, à continuer. Exploite sa bien pour bénéfice de mes bons enfants, ça est bien, je comprends ça. Ou bien, je fais un trust pour une raison charitable. Moi, j'ai un petit peu l'argent, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas envie d'une ni l'Église, qui en a assez l'argent selon moi, je n'ai pas envie ni d'une partie LDS, ou bien US qui m'ont supporté. Mais mon envie de faire un don avec un la charité, alors mon fait un trust et mon fait mon trustees manage ça bien. Et il y en a déjà, Mr. Speaker. Ici même, ici, c'est celle, mon con, at least un du monde qui est mort sans héritier et qui n'a envie qu'ils sont un petit l'argent, ils vont mettre dans un fonds et ils vont manage par un.
nous pas faire un trust, alors nous faire un système by agreement pour les gens manage pour son bénéfice pour une certaine catégorie du monde qui tient de lui à un certain moment dans son la vie. Donc, ça, c'est un charitable trust, ou bien un purpose trust, qui en a un purpose spécifique. Un purpose spécifique, et là, ça peut aussi être un accompli, trust et trust et more. Donc, c'est un véhicule qui en a beaucoup d'avantages, mais je crois comment est l'Assemblée, et moi personnellement, comme un membre de l'Assemblée, comme un citoyen privé, je suis content qu'il nous imagine very carefully le côté nous pour aller avec sa Trust Act en mesure qui nous peut ouvrir pour les fichiers. Nous avons un code civil qui fait qu'on a amendé, qui ne fait pas, et qui nous, ici dans cette assemblée, nous faisons un grand pas contre nous retirer forced headship. N'est plus en une réserve pour bonnes enfants. Alors ça, il ouvre la porte. Pareil, il est préconisé par Panel. Il ouvre la porte pour sa véhicule capable d'en utiliser présent. Avant ça, nous pas capable à cause ou pas capable quitte ou bien pour un trust à cause du besoin qu'il lit pour les enfants. Mais présent n'est plus en ça l'obstacle. Alors il ouvre la porte pour et nous ouvre ça la porte dans sa bille pour bon bien mobilier ou bien l'argent, fonds, chaises, quelque chose comme ça, pour vivre qu'il n'y a pas dans la compagnie qui est dans la terre. Nous capables donc désormais créer un trust ici, c'est celle. Mais ce n'est pas ça l'intention primaire. Cependant, je suis content qu'il nous fait entrer ça, malgré qu'il n'y a pas l'intention primaire, mais nous voir ça l'évolution dans sa produit qui nous capable faire dans l'éventail de nos services financiers. Alors, Mr. Speaker, mon pas envie répète ça qui nous gagne dit, mais mon suis content dit un quelque chose en conclusion. Definitely, un pas qui nous a besoin pour en, soit aujourd'hui, soit bientôt, c'est ouvrir la porte trust complètement à tous ces lois pour toutes vos propriétés. Là, il y a un restricté dans ça la loi pour propriétés qui pas propriété immobilière. Donc, pas la terre, pas la case, ou bien pas chaise dans la compagnie qui en a une propriété immobilière. Nous capables, après-midi, là, comme ça, et M. Robert proposait qu'il y ait nous capables faire lui, extend-li pour couvrir propriété immobilière ici, c'est celle. Personnellement, moi, mon peut demander avec ça à l'Assemblée, on ne peut pas faire lui. Malgré qu'il nous capable, on nous fait aller dans un deuxième pas, on ne peut pas tailler. On ouvre la porte un petit peu, pareil, ministre, panel, infer, à travers ça la loi, et on nous regarde qui manière il settle down avant qu'il nous extend-li un peu plus loin. Ça, c'est moi personnellement. Mon père, du monde qui est content, saute dans un quelque chose sans qu'il m'en regarde tout bon pros and cons. Et mon père voit aucune contrainte, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas. Et mon père est content qu'il nous progresse pas à pas. Alors, Mr. Speaker, mon les félicite ministre et son panel pour sa l'initiative dans sa l'amendement, dans sa Trust Act. Mon souhaité qu'avec sa bonne tightening, avec sa bonne clarité qu'il peut mettre dans sa la loi, qu'il s'aille avoir un produit qui beaucoup de monde avait bénéficié avec, en dehors de CCL et aussi CCL, et qu'il y avait vine une autre façon pour nous montrer avec Bandimoun, qui peut regarder nous d'une certaine façon,
qui nous paraît pour nous sortir de sa grey list et pour nous montrer la liste qui est claire, qui est blanc, qui est ouvert et qui nous pape encourage aucun du monde qui casse la loi à travers service et nos bons produits financiers. Et demande avec autres, continuer étudier et il paraît, retourne dans l'Assemblée avec un autre amendement qui peut extendre sa concept trust et pour faire y entrer et mailler avec, avec nous la loi. Déjà, on voit dans section 94, c'est la loi qui est devant nous. Nous prévoir que si Trust Act n'est pas en conformité avec Civil Code ou bien Commercial Code, c'est Trust Act qui pour primer. Je comprends, il y a besoin, à cause de il y a un produit spécifique. Et Civil Code et Code commercial, il y a un code général. Alors nous avons besoin, ça qui est spécifique, il y a besoin pour primer ça qui est général, je comprends ça. Mais je n'ai pas envie que nous, Paris, mon Dieu, on ouvre la porte tranquillement, on n'a pas coup de pied pour qu'ils nous fassent envoler un seul coup. On n'est pas capable de faire ça dans, dans un deuxième temps. Mr. Speaker, mon cause pour plus longtemps qu'ils m'ont souhaité, je remercie vous et je remercie bonnement pour votre patience. Merci. Merci, Mr. Speaker. Pendant ce dernier, pendant ce dernier plus 10 ans que je suis dans l'Assemblée et je suis interacté avec la loi à différents moments, il y a quelque chose qui m'a tout à fait cross, c'est ça l'argument qui, après qu'il s'est celle, s'est introduit ça la loi en 1994, nous avons presque abandonné ou bien mettre à côté, s'assiser, sa produit sur les concerns trust. Mon président, ça l'étant, il y a une raison pour sa qualité l'argument. Et mon temps, ça l'argument par plusieurs du monde qui l'involvent, ou bien man du monde qui peut faire une bonne activité dans le secteur financier. Et pour moi, je vois ça la loi, il y a un petit peu. Moi, j'ai un petit peu drôle et je suis content de gagner un peu plus de réassurance qui laisse la loi venir, il peut faire un nouveau produit, mais à la même temps, il peut faire ici, il peut ring fence, tout bon quelque chose qui vient avec assurer qu'il y en a compliance avec une provision légale qui existe. Et ça, il est important à cause nous ne sommes pas capables, in one breath, de dire nous les sortir de la grey list. Mais il y a l'autre qui crée un potentiel pour nous à l'agréliste in the not too distant future. Mon écoute bien attentivement intervenant avant moi, et ça qui me cause, il y en a quelque chose qui me dit qu'il m'a d'accord avec. Mais il y a quelque chose qui me dit que si nous extendons à l'autre niveau, nous pouvons comprendre l'autre quelque chose. Par exemple, un trust est capable de gagner sa vie par un monde qui peut financer le terrorisme. Il est capable de servir par un monde qui gagne bien, qui dérive de certaines activités criminelles. Pour toute bonne façon positive, qui est capable de servir, il est capable également de servir pour un acte négatif. Et c'est là que le problème est tout le temps venu. Pour donner un exemple simple, on nous prend un individu à cause. Dans les autres jurisdictions, usually, c'est un trust qui gagne setup par le fait qu'un dimoun, sa set-là, il fait un arrangement et il transfère un asset avec un autre qui est trusty et sa dimoun, il manage sa trust, le behalf, sa dimoun qui transfère sa asset avec lui, pour bénéfice sa dimoun qui transfère sa asset. Et tout ça, m'extend nous aider par le fait que nous avons un beneficial ownership act. Qui pour faire qui nous besoin connaître lesquels qui sont les ultimate beneficiaries of one trust. Eh bien, mais nous avons aussi dans la loi précédente créé conditions pour un an, une private trust companies, si je ne me trompe pas.
Et question qui monte, c'est ce qui bonne PTCs pour venir bonne reporting entities à AML CFT. Et lesquels qui pour réguler bonne PTCs et lesquels qui pour issuer son license. Dans ce contexte, on peut poser mais qui c'est FSC qui pour besoin issuer sa license. So, qui capacité que FSC y en a aujourd'hui pour lui capable assurer qui il peut monitorer bonne PTCs pour faire qui problème qui nous peut discuter dans l'Assemblée aujourd'hui, et il y a un problème, c'est le fait que 88% de requests pour les sens d'information, nous pays pas capable d'honorer. 88%. Et dans une grande majorité de cas, bon, pas pour dire dans tout cas, mais dans un bon cas, bon trust, si gagne servi pour sa bonne activité, qui, dans l'autre juridiction, est dimoni qui a considéré comme une activité criminelle ou une activité qui contre avec la loi. So, les mots voir et la loi comme ça vient devant l'Assemblée, première question que nous besoin demander, c'est l'Assemblée n'a pas gagné assez de temps pour être capable de regarder ça la loi. Ça, la loi, il y a la loi compréhensive. Il ne peut pas faire un amendement, mais il peut faire un amendement sur les assez compréhensives. Il peut basically introduire presque un nouveau la loi. Et je ne sais pas si aucun samedi technicien qui assiste dans nos places aujourd'hui, vous pouvez accepter qu'ils ont gagné la loi comme ça, des jours au lendemain, vous êtes venu dans l'Assemblée et débattre là et dire pour dire l'amendement, il devrait passer, tel l'amendement pas devrait passer. Et le ministère des Finances a besoin de prendre conscience de ce qui concerne. À cause de tout le temps, nous, l'Assemblée, qui a demandé pour suspendre cette zone requirement, suspendre la provision pour nous procéder, pour capable penser à la loi de façon plus vite. Ce qui est même temps pour les autres qui ont interacté avec la loi. Quand vous voyez pour dire la majorité des membres, même qui participent dans le débat, à cause de pas gagner le temps. Pour faire une préparation pour sa bonne loi. Ça, pour moi, est inacceptable. Je ne peux pas faire réflexion, aucun individu ne peut faire réflexion, l'eau procédure. Et nous avons dit, avant nous pour un adjournement, l'après-midi, là, qui pendant une provision de l'amendement, qui a besoin substantiel, si nous avons besoin, qui nous entendons sa position amendement, nous entendons sa proposition pour un adjournement, qui a besoin substantiel, mais nous ne pouvons voir aucune proposition d'amendement, quand il y a un voyer ou bien quand il y a cher avec mon membre, si nous avons fait mon esquisse, mais nous ne pouvons pas voir, nous ne pouvons pas gagner. Qui proposition d'amendement qui peut être proposé? Et si il y a une proposition d'amendement basée sur le standing order, il a besoin de venir 72 ans avant que ça la loi gagne mort. Et qui m'ont croit là pour arriver le temps pour nous mouvre sa proposition d'amendement, nous pour besoin faire et pour besoin d'une émotion par lequel qui peut ouvre qui peut proposer ça l'amendement pour ouvre. Pour demander permission pour capable mettre ça l'amendement sur la table. Moi dis ça à cause mon papa dit ça pour ne pas le faire que c'est ministre Hassan qui l'a. Non. Sa réflexion, il dit pour n'importe qui, ministre qui a une réflexion qui m'a fait dans l'Assemblée dans le passé, à cause de mon considéré important qui s'assise tout le temps rester dans mon opinion personnelle, tout le temps regarder en dehors, porter l'Assemblée, jusqu'en dernière minute pour nous capables de faire une décision là. Et nous tous qui l'avons dans nos bonnes patriotes, et là autant de causes celles, Pierre Logrelis, le Blacklist, n'a pas un dimon dans qui peut dire, il n'est pas d'accord pour faire tout, pour faire ci, qui c'est celle, Pierre Blacklist, ça cause l'impact qui prend en an, il n'est pas pour choisir lesquels. Ce sont les pas clairs pour venir tout dimon. Mais je comprends la pression qui le ministère financier a. Les autres aussi ont besoin de réacter avec la force extérieure qui peut demander, et puis même c'est l'exigence. Qui peut faire qu'il nous en a
c'est une nécessité pour qu'il y ait un an, ça la loi qui vient devant l'Assemblée. So, qui nous voit? La loi, il y en a mérite. Et le son principe général, la loi est sainte. À cause de faire provision pour qui secteur financier, il y en a un produit qui est capable de faire avec grand public. Les mots pour grand public, je ne vais pas dire CC, mon ne vais pas CC. La loi est aussi sainte from the fact qui. Il paraît FSC puis anticiper qu'il peut bouger away from this IBC et comment se provide les autres services, comment se promouvoir les autres services qui amènent beaucoup de revenus pour les autres pays et qui possiblement est capable de mener revenus pour nos pays. Et ça qui m'a mené, c'est qu'il nous besoin de FSC, we get it right. Présent, il y en a certaines questions qui peut-être inattirel pour demander. Peut-être ministre, je crois qu'on installe nos bouts de nous, mais combien de trusts il y en a qui currently in good standing, qui tout quelque chose en ordre avec les autres? Est-ce qu'il y en a aucun trust qui l'autorité a besoin d'entrer et implémenter ou bien tacle les autres par la loi? Est-ce qu'il y en a dans l'instance qui aucun trust qui connecté avec Cécile? On va peut-être causer IBC, mais on peut causer spécifiquement trust. Est-ce qu'il y a dans l'instance qui n'a aucun trust qui est connecté avec nous, qui est involved dans aucune des autres activités, qui peut être investiguée par les autres, la force, par les autres, l'instance officielle dans l'autre pays? Et finalement, mon dernier point, peut-être un peu difficile pour répondre à sa question. Est-ce que le ministre est capable de dire nous si convaincu à 100% que once nous lançons nous et once nous commençons à promouvoir ce produit, bon, pas qu'on ait qu'existence, on est arrivé avec, il va dire nous, il garantit qu'ici pour un an, un licence, un demande pour licence d'information. Merci. Si pendant il y a l'essence pour l'information, qui nous l'autorité pour capable provider cette information. Rendre la vie du ministère des Finances un petit peu plus facile, rendre la vie l'Assemblée un peu plus facile, rendre la vie nous payer un peu plus facile. So, mon quoi pour un committee stage probablement assez long à cause de mon provision l'amendement est assez substantiel. Et moi, je vais écouter le ministre, ce qu'il m'en a pour dire. Mais moi, pour finir le point qui m'a fini là auparavant, qui malgré tout quelque chose qui nous capable de dire qui est négatif, m'a resté encore impressionné par l'habilité professionnelle de ces lois pour capable de venir avec une bonne provision de la loi comme ça. Banque dans la galerie, par exemple, dit bon matin, banque là. Et pour ceux qui ont débattu sa bonne provision et faire nous comprendre sa bonne provision. Et ça y a l'inspiration pour qui nous en a, dans ce pays, nous faisons quantité de progrès pour nous développer compétences de monde professionnel et nous avons besoin de continuer à faire li, davantage pour nous capables d'assurer que demain, pour un an, 10 mois, pour apprendre la relève, à cause probablement, un jour pour arriver, que sa bande professionnelle qui là pour aller dans le private sector, et nous avons besoin de remplacer, nous avons besoin d'un an sa continuité qui est maintenue. Avec ça, Mr. Speaker, on va écouter qui ministre a pour dire dans son summing up. Et moi, je vais attendre pour nous à la committee stage pour nous demander certaines questions pertinentes à certaines provisions de l'amendement. Merci, Mr. Speaker. Merci, Mr. Speaker. Bon après-midi, ministre, délégation, bon professionnel de galerie, membre honorable. Bon après-midi à tout le monde qui a l'écoute. Mr. Speaker, ministre bien défini ou indéfini trust pour qui, même si membre public qui n'est pas dans l'industrie,
pas au fait avec, mais c'est moi qui comprends un petit peu quoi que nous peut débattre et à cause il y en a certains mérites que j'ai fait. Bon, tout le temps avec SS Payette en bas l'administration précédente et même en bas de l'administration qui là tout le temps dit qui mon quoi parlait bon on va j'ai une cause un petit peu de là parlait bon l'organisation internationale imite bonne pression additionnelle le bon petit pays et parlait il fait nous fait bonne gymnastique par une appelle ça bonne legal gymnastics ou bonne parliamentary gymnastics qui parlait nous de bonne situation côte nous senti coincé mais nous aussi frustré à cause c'était ça bonne travail est incapable de faire d'une façon plus étalée l'auto indi nous qui parlait dans bonne l'amendement ou bien bonne la loi qui vient et puis nous besoin wave 7 jours pour nous capable faire passer ça bonne la loi mais c'est important pour noter il nécessaire pour nous noter qui beaucoup ça bonne la loi qui aujourd'hui devant nous il pas bonne nouveau la loi li nous entend monsieur Robert il dit qui il y en a ça bonne la loi qui depuis 2016 d'autres pays s'est poussé pour faire passer et puis bonne investigation qui OECD vient faire il fait qui bon rapport qui ils ont mis nous là-dedans à cause nous n'a pas bonne la loi qui nous tient capable non avant ça veut dire il pas mon pas ou les blancs personne mais il pas faute personne n'est à nous peut lui mais il a faute nous tout et aujourd'hui le temps il arrive un le temps quand nous dit nous besoin wave c'était le temps qui mettait dans nos standing order mon quoi nous besoin prendre lui positive à cause nous peut aide Cécile pour arriver à l'endroit côte que fighting de VTT un petit peu le temps passé. Alors, l'État nous peut get trust lui-même. Il y a un concept qui un dimoni capable de dire il peut mettre son bon bien dans la main un autre dimoni ou bien à travers un véhicule dans son propre la main seulement. Il y en a certaines recommandations. Mais c'est une condition qui vient avec et capable de dire quand qui c'est un somme qui de sa trust il peut gagner donner avec soit c'est un dimoun soit c'est une organisation so tout ça là il gagne défini et ça dimoun qui peut administrer sa trust il peut besoin comply avec sa bonne condition alors le temps moment est un petit peu pareil un will mais seulement en d'autres mots un will. Là, avec nous faire testament for freedom, le temps où il est capable de contester avant. Mais moi, me concerne avec ça bill qui est devant nous, je suis content d'aller un petit peu plus loin. Il n'y a pas un amendement qui peut proposer, mais il y a une recommandation qui a gagné mettre devant le gouvernement. Et à travers le ministre, s'il sentit approprié à travers l'industrie ou bien bon du monde qui fait bon sa regulatory body, il va voir si nous capable d'un subsequent amendment pour en considération ça. Moi mon concern c'est que l'État nous peut former trust. Aujourd'hui c'est lié à une jurisdiction qui non en bonne propriété immovable property, Eden Island, Panja Beach. Mon matinée Four Seasons, il y en a. So, ça va dire, moun zot vini, zot aste, bonne propriété. Et, il y en a, c'est celle-là qui en a sa bonne propriété, mais il y en a majorité, il y en a étranger. Et par là, ou gagne demande sorti côté étranger, côté ou le,
fait un trust. Et une question qui demandait, c'est est-ce qu'ils sont capables de mettre mon immovable property qui mon acheté Cécile dans un trust Cécile? Moi, personnellement, je ne peux pas voir à cause qui ne sont pas capables de faire. Et moi, je demande au ministre pour prendre ça comme un point de discussion qui est capable de faire et qui, dans un subsequent l'amendement qu'il va faire, si ça est passé et considéré, nous sommes capables de prendre mettre aussi là-dedans pour qu'il fasse que demain, ça dit que les gens qui viennent de Cécile, ils ont une villa Eden Island, ils sont capables aussi de prendre sa villa, mettre dans sa trust, et qui demain, s'il est mort, il est mort, il est capable de dicter qui sa villa est fait avec, au lieu que si son petit pas intéressé, ou bien son madame pas intéressé, ou bien son monsieur pas intéressé, et ça a qu'il faut rester la même, soit il retourne pour Eden Island. At least il y a une direction de ça qui a envie. Et ça, pourquoi il fait par bon qui a envie, mettre sa bonne assiette. Mon papa répète bon quelque chose qu'il a dit avant moi, cause comment un professionnel qui aussi pour besoin plimente la loi, les temps sont les temps arrivés. Moi, j'ai le même conseil qui m'a soulevé. Et je crois qu'avec la loi pareille, qui nous peut passer aujourd'hui, il est bon qu'il y ait plus de membres fait avec contenu, ça qui nous peut discuter. Mais toutes les choses, on apprend. Dans la vie, on apprend. Pareil, il dit you never stop learning. Alors, aujourd'hui, nous devons apprendre le trust. Mon si demain, pendant les autres questions, nous devons apprendre. Mr. Speaker, avec ça, des petits mots, mon les donne ministre l'assurance qui, moi, mon pour donne la main pour ça, sa bille qui est devant nous, à cause de mon senti, c'est celle qui peut bénéficier. Et nous espérons que la communauté internationale, il pas tout le temps voir faute avec ça qui nous peut faire. Par exemple, nous avons dit, en effet, nous pouvons faire ça qui nous est aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas un concept qui c'est celle qui nous est aujourd'hui. Alors, nous avons besoin d'évoluer avec ça. Encore une fois, moi, je suis content aussi. Félicite mon zen professionnel et mon power, à cause qui nous pas qu'à continuer la salanie et qui. Cécile et nous l'Assemblée, ils fiers de nous bonnes zen professionnels dans n'importe quel secteur qui ont été. À nous pécoles le secteur financier. Alors, moi, je suis content, félicite vous de la part de ce comité et aussi demande vous pour continuer à faire ce bon travail que vous pouvez faire pour nos pays. Merci. Merci, honorable Raven William. Merci, Mr. Speaker. Bon après-midi, ministre avec vous, l'équipe, et tout le monde public à l'écoute. Mr. Speaker, je vais vous poser un petit peu en général ça pose de loi. Et moi, je dis que depuis hier et l'après-midi, nous passons 6 posés de loi qu'on a pour faire avec le centre financier. Et moi, je sens pour dire qu'il y en a beaucoup de membres publics là-dehors. Qui un petit peu perdu, qui m'a dit, tu as un petit peu plus l'avantage, ça sent financier, à cause de l'État. Moi, regarde aussi section de manifesto LDS. On voit que la dengue dit que nous pouvons donner plus de support à ce secteur. Mais en même temps, nous reconnaissons aussi, il n'y a pas juste ce gouvernement qui l'a, mais ben, les autres. Ancien, qui sa pilier, il a avine un pilier vraiment fort dans créer la richesse dans le pays. So, alors, je pense que le ministre a fait sa conclusion
peut-être donne-nous un petit peu l'information. Le mouvement à l'heure actuelle, là, de sa situation pandémique COVID, et en même temps, face avec sa bonne pression qui peut sortir contre l'OECD, qui vraiment la force et potentiel sa secteur financier, là qui nous peut dire pour nous créer une unité pour spécifiquement administrer sa bonne activité. Et en même temps, ministre, si tu es capable, dis-nous, à cause de la loi, ça, l'amendement peut être fait. Mon voix pour dire, par une dit, c'est que 1994, ça s'est introduit. Et là, il fait à peu près 22 ans que ça, l'amendement peut venir. Et tu as l'air, mon temps, honorable George, qui est bien, qui nous pas taille avec, mais nous prenons le temps pour nous conduire un semaine jusqu'à là. Pour nous faire ça dans l'amendement. Et moi, j'ai envie de demander avec vous, est-ce que nous, l'État nous entre dans ce secteur, est-ce que vous sentez pour dire qu'il y en a certaines actions qui sont capables de faire plus vite, pareil, vis-à-vis de certains produits, et en même temps, est-ce que ce bon produit aujourd'hui qui nous peut dire avec, son valet encore pareil. Et est-ce qu'il y en a une checklist qui a les autres produits qui se sont capables d'abandonner certains vieux et prendre les autres pour nous capables de diversifier la façon qui nous peut ramasser au soir faire la richesse. Et mon autre point, c'est, ministre, est-ce que vous sentez pour dire à l'heure actuelle, la façon qui nous peut mener de choisir nos ressources humaines. Est-ce que vous sentez vous dire aujourd'hui, un HRD, ou soit gouvernement, peut vraiment channel nous donner la force, la jeunesse, envers training pour capable prendre bonne place à cause, les on peut regarder ce secteur, il y a un secteur qui est assez prometteur. Beaucoup de gens qui peuvent bénéficier. Il y en a beaucoup d'emplois qui peuvent créer. Est-ce que vous sentez pour dire que nous pouvons faire assez pour nous capables de pousser nos bonnes dans cette direction? Et mon dernier point, M. le Speaker, j'ai envie de demander avec le ministre par le fait que nous pouvons présenter ça avec OECD en septembre. Est-ce que nous sentez pour dire nous avons une position assez forte, comment c'est-il? Est-ce qu'il nous voit pour dire dans cette banquette, nous devons un peu pousser, qui aussi dit qu'il comprend nous comme un petit pays, ou soit dans un groupe, qui vraiment nous position, qui nous peut le prendre là, avec sa soumission, qui nous peut le faire. Avec ça, des petits mots, M. le Speaker, j'ai envie de dire qu'il m'en pousse porte, ça pose le droit, pareil, m'en supporte dans les autres, à cause de mon quoi pour dire. Il y a une nécessité, et tout à l'heure, nous avons dit pour dire est-ce que ça va dans la loi, parce qu'il devrait donner assez de temps pour nous passer là, mais nous avons besoin de la bigger picture et l'importance à cause que nous avons besoin de faire ce travail assez vite. Merci, M. le Speaker. Merci, honorable. Avec ça, je suis capable d'inviter le ministre pour faire son réponse au débat. Merci, M. le Speaker, et merci tout le monde honorable pour vos contributions. Ça, c'est un point qui est relevé, est vraiment, vraiment valide. Et question plus grande, je vais demander, c'est essentiellement quand nous pouvons aller avec nos secteurs financiers. Mais laisse-moi penser à sa question within sa discussion, le trust. Et pareil, honorable leader of government business, il m'a mentionné. Ce concept of trust est là pour plusieurs années. Aujourd'hui, il y en a deux quelque chose qui peut arriver. Un, nous pouvons moderniser. Vous modernisez et nous pouvons domestiquer.
et sa process et ça lui-même lui capable dans plusieurs avantages pour nous pays. Mais at the same time, pour adresser ça point que honorable leader de l'opposition il mentionné le côté si pas permettre plus risque. Dans secteur financier tout quelque chose il y a un risque. Mais qui moyen on manage risque? Et risque on manage lui de deux façons. Vous pouvez faire si qui ou la loi. Il y a un ordre ou la loi il y a pas avec toute bonne norme internationale ou la loi il y a une bonne sanction appropriée qui empêche et ni l'accompagner pour aller dans l'autre direction mais aussi il y a habilité pour capable réguler sa bonne produit et là la côte quelquefois nous non défaillance dans le passé c'est un nous la loi pas nécessairement on pas avec ça qui required mais aussi qu'il faut habilité et stricte supervision. Et avec l'ouvrage qui est nouveau board FRCPF et nouveau CEO FRCPF, focus FRCPF vient le régulatoire. Dans le passé, il y a une confusion entre son rôle régulatoire et promotion. Mais on n'est pas capable de réguler et promouvoir à la même temps, à cause d'un inherent conflit. Là. So, aujourd'hui, FRCPF vient un régulateur. Pareil, sur la loi, il demande. Et ça, je crois, pour adresser cette quantité de conseils qui levait, regarding les nous peut développer nos secteurs financiers, est-ce qu'il peut permettre plus de risques pour le pays? Risque pour là, mais nous devons manager ce bon risque. Le côté, une question spécifique qui nous relève, je vais adresser ça. Est-ce que l'équipe qui pose la reporting entity, c'est sa CSP qui vient sa reporting entity, of course, en bas, supervision, autres régulateurs qui FSI. Le côté, si nous sommes capables de donner l'information, le bon request for information, en effet, bonne provision qui est amenée, tout ça, bonne la loi, c'est exactement pour sa raison. Qui nous capable donner information. Là, avec mon amendement, ça donne l'information pour vous aider à quitter Cécile et ça a fait plus facile pour accéder à bonne information les y en a demande. OK. L'autre question qui monte il le ça issue qui honorable André in relevé. Moi crois il y a un point valide et moment où ça l'initiative pour moderniser Trust Act nous le son commencement et définitivement mon donne commitment exécutif qui nous pour continuer à atraser et on va regarder par exemple ça va l'exemple pour donner le owning of property Cécile qui ça y a vienne dans un subsequent amendment à cause il bon aussi qui nous regarde tout son implication tout son qui va dans les autres la loi aussi, qui est sans conformité entre la loi. Mais c'est vraiment un point vraiment valide qui nous devrait regarder et ça nous a nos commitments qui nous avons fait. Pour le moment, le côté trust lui-même, il y en a 859 trust de pays. Mais vous connaissez, la question qui nous est, c'est est-ce que trust est vraiment marketed as a product, c'est sûr. La réponse c'est non. Focusing tout le temps sur IBC. IBC was always the easier business to do. C'est simplement en résistant à la compagnie. Trust est un petit peu plus compliqué et pas tout. Ben, la compagnie d'offshore qui spécialise dans formation trust. Mais là, je crois avec bonne modernisation et upskilling qui est capable d'arriver, ça, il y a l'opportunité pour vraiment pousser ça produit forward et tout son avantage économique qui vient avec. Le côté question qui demande oui, dans le manifeste LDS, il y en a un commitment pour support secteur financier. Et je crois qu'il y en a un avantage économique pour nous, le côté secteur financier. Je mentionne pour dire qu'avec COVID, nous n'avons pas capable de relayer simplement le tourisme, nous avons les autres secteurs, la paix, tourisme, financial services. Et
Mais seulement, nous avons besoin de prudence in the way qui nous pousse dans le secteur financier. Nous avons besoin de faire ainsi qu'il y ait un secteur financier qui permet un risque pour le pays. Et le management of those risks est important. Et là, nous faisons sa nouvelle stratégie qui le ministère des Finances peut lead. Nous avons besoin d'assurer à tout moment qui nous pas permettre de risque au pays. Nous pouvons développer des façons qui sont responsables et qui promènent valeur économique pour nous pays, mais pas mettre risque. Et bien, risque est manage. Et moi, là, voilà, contre ça, issue of est-ce qu'il nous en a enough human resources? La réponse pour moi est claire, c'est non. At this point in time, non. À cause, les nous parler, les nous peut discuter un peu, ben nouveaux produits, ben nouveaux initiatives, ben beaucoup de discussions que nous peut faire. Et ou capable non ou ben business qui pouvait une setup c'est ça. Et il pas pour simplement ben business qui pour offshore, pour setup ici. Il capable employer les 200, 300 du monde de compliance, de différence. Mais nous n'a pas aujourd'hui. So, ça à cause qui les mon fait commencer initier une conversation avec en effet le ministère de l'éducation, le ministère de l'emploi, le manpower planning. À cause si nous peut faire nous peut cause de economic diversification. Nous peut faire une conversation en economic diversification, mais nous n'a pas manpower. Il pas pour moi assez. Et dans le passé, et ça mon opinion personnelle, les nous get manpower planning, nous get li paiement from un aspect l'éducation, l'emploi. Mais nous pensons à une stratégie économique, stratégie nationale. Et ça coûte moi, on amène le département économique planning dans sa discussion qui, là, nous peut planer l'économie. Alors, le plan de l'économie, il y a un an, deux ans, cinq ans, dix ans à l'avenir. Et ou même pas au planning, il besoin de réfléchir qui va bon, l'économie bien aller. Et ça y est un processus qui nous a commencé entre ces trois ministères qui nous ont un manpower planning qui vient nous implémenter, qui peut faire ici, pour dire nous avons adéquate ressources dans un secteur qui nous peut pousser. So, en gros, ça, il bon mérite ça nouveau la loi. Et avec ça, moi, je suis content encore. Demande l'Assemblée pour approuver sa projet de loi. Merci. Merci, ministre. Nous avons voté le general merit of the bill. Membre qui en faveur, les blancs, merci, s'il vous plaît. OK. Oui, madame la députée, aucun membre qui compte? Thank you. Vote le General Merit of the Trust Bill 2021, 25 membres pour, 0 vote contre et 5 abstentions. Donc, ça, bill n'a prouvé le mérite et nous paraît pour faire second reading of the bill, Madame Deputy Clerk. Merci, Mr. Speaker. A bill for an act to provide for the creation, registration, administration, and regulation of trusts, including the Seychelles Trusts and foreign trusts, and for matters connected herewith or incidental thereto. Merci. Merci, Madame Deputy. Avec ça, nous parlons pour commencer amendement et clarification. Sergeant, l'Assemblée, s'il vous plaît. Oui, Honorable André, vous nous parlez pour lead the way. Yes, Mr. Chair, merci beaucoup. Bon après-midi, tout le monde. Nous commençons dans le title of the bill itself. Deuxième l'année. OK. Nous commençons dans le title of the bill itself. Le deuxième l'année, nous pouvons remove the, in between, including
Seychelles. Ça veut dire pour lui comme ça, an act to provide for the creation, registration, administration and regulation of trusts, including Seychelles Trust and foreign trust, ainsi de suite. Thank you. L'autre, dans son short title and commencement, clause 1, il peut lire comme ça, this act may be cited as the Trust Act 2021. All that follows will be deleted. Nous continuons. Le clause 5, 1C. If paragraph A and B do not apply, nous pouvons delete with which, nous pouvons insert 2. So il peut read comme ça. If paragraph A and B do not apply to the trust at the time it was created, had the clauses connection. Merci. Panel, nous continuons. Je te lève la main, signale-nous. Yes, Monsieur Aubert. Merci, Monsieur Chair. Mr. Chair, pour cet amendement que l'honorable André peut proposer, on peut peut-être nous besoin service the word to which rather than to which. So, il y a valide comme ça. If paragraph A and B do not apply, to which the trust at the time it was created has the closest connection. Merci. Merci. Si correction wording. Acceptable, Chairman. Sir? Mister. Oui. Honorable George, vous voulez à l'avant, oui. Merci, Mister. It depends you the. I have a connection to, we have a connection with. Tous les deux. Bonne blabla bonne, effectively. Certains du monde disent I have a connection to something, ou bien certains du monde disent I have a connection with something. Moi, je suis un drafter, in service with. Mais si panel il croit qu'il nous devrait être avec tout, il n'a pas fait grand sens. Bon. Merci. Panel, nous. Prends ça changement ou bien nous continuer avec. Mr. Chair, thank you. Nous agoyab avec sa proposal pour nous mettre les Twitch. Thank you. Yes. On a abandonné. Yes. Nous le clause 14. Tout. I. To remove the comma after misrepresentation. So, to E, Roman 1 would read like this. The trust was established by duress, fraud, mistake, comma, undue influence, or misrepresentation, or in breach of fiduciary duty. Mr. Chair, donne-moi un petit minute, je vais vous donner un autre document. Bear with me one second. So it's echo. Yes, so it put an insertion of a comma rather than a deletion. So it put after misrepresentation, it put in a comma. Channel 1, the clause. 14, sub 4, proposal to delete after the word whom, the word the. So it would read as such. Where subsection 2C applies, any person in whom the title to such immovable property is vested shall not be and shall not be deemed to be a trustee of such immovable property. Nous continuons, nous avons le clause 15.
clause 16, 1, H, nous pouvons delete A between off and trustee dans la deuxième année. Alors, si vous lisez comme ça, a power to restrict the exercise of any powers or discretion of trustee by requiring that such power shall only be exercisable with the consent of the settlor or any other person specified in the terms of the trust. Nous continuons l'autre. Clause 21. Il paraît qu'il y a sa correction faite. Dans clause 25, Mr. Chair, 25N, il y a un proposal pour inclure his, her, after the word execution of, before the word its duty. Ça veut dire pour lui comme ça, a trustee shall, in the execution of his, comma, her, or its duties, and in the exercise of his, comma, her, or its powers and discretion. So to insert. Honorable George. Yes, Mr. Chair, mon envie donne un petit éclaircissement là. À cause un trustee capable, un individual or un corporate trustee. Pareil, le ministre explique le matin. Donc, it's pas-tu pour bien. Mais mon peut proposer, ça c'est l'amendement qui moi, mon t'insiste avec Bill's Committee, mais nous capables, au lieu de servir his, her or it's everywhere, nous capables dire the trustees. So, even plus neutral. Alors, panel va dire nous, lesquels qu'ils ont préféré. It can read a trustee shall in the execution of the trustee's duties and in the exercise of the trustee's powers, etc., pour faire les plus neutral. Or, his, her or it's qu'un petit peu lourd. But the panel will decide. Merci. Yes, Minister. Thank you, Mr. Chair. Proposition qui LGBT fait, il est acceptable avec moi. So, we substitute the trustee there, huh? Okay. Yes, Honorable Madre. Yes, nous Mr. Chair. Mr. Chair, nous l'autre proposal, c'est encore 25.3. A, pour mettre comme après reasonable, so it would read like this. So, far as is reasonable, comma, preserve the value of the trust. B aussi, pour mettre comme after reasonable, so il pourrait comme ça, so far as is reasonable, comma, enhance the value of the trust property. L'autre, l'amendement, il 25.6, encore il même l'argument qui le nom George fait que mettez sur mon Valesley et panel l'arrêté, which one is best. Oui, même ça. Panel, nous move to the last proposed wording. Yes, panel in nod. Honorable André, continuez. Encore, ça y apparaît dans 26N, clause 26N, côté dit, a trustee shall, in relation to each trust, of which he, she, or it. So, mon matinée, si nous pouvons faire subsequent, mon papier, répète ça, ça qu'il faut venir, cause il y a this automatically going. Thank you. OK, après, nous avons ça issue dans 20, sorry, dans 26.4. This is taken care of. The 27 NA Roman 2 by annual basis. Mon pourquoi est-ce que nous servir même wording qui nous servit bon matin? Si ça, il est canava gagne sa proposal pour nous faire ici qui entre là-dedans. Et ça proposal, ça wording, si vient sortir côté
Honorable George. Oui, panel. Est-ce qu'il est nécessaire de repasser sa wording? Ou bien il, oui, oui, mon coin, il est nécessaire, Mr. Chair. Nécessaire. Pour nous gagner, il lit bien. Honorable George. Nous avons besoin de wording encore là. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, mon bien le wording. Dans l'autre endroit, excuse-moi, il faut prendre un petit peu de temps. Nous capables de continuer toujours le temps. Well, bien nous espérer. On nous attend. Ok, moi là, c'est toujours. Mon magasin n'est pas pour prendre plus qu'une minute. Merci, Mr. Chair. Dans 27NA-D, il peut lire présent. Chapeau, a licensed trustee. Chapeau, where the approved trustee of a trust is a licensed trustee, the trustee shall, where its accounting records are kept outside Seychelles, lodge not less than on a biannual basis the accounting records at the company's registered office in Seychelles, provided that any accounting records, whether outside Seychelles or not, shall be presented to the Seychelles authorities on request. Merci. Merci. Ça, amendement. Les autres amendements, nous avons votre lot là, sont supposés. Nous avons besoin de votre lot là. Nous avons gagné un secondé, s'il vous plaît. Et, attends, nous allons laisser cette paillette adresse nous. Oui. Monsieur Chair, bon après-midi, bon après-midi tout le monde honorable. Que fois, honorable Jobs, déplace sa boutte compagnie, si nous avons servi sa boutte license trustee. Yes, merci. So, bien. Nous capables de procéder pour votre amendement, bien, on le relie, honorable Jobs. Que fois, tu as préféré à vous relier? Oui, Monsieur Chair, mon père regarde. Section 27, N, A, Roman 2, where its accounting records are kept outside Seychelles, lodge, not less than on a biannual basis, the accounting records at the trusts, is it? As a licensed trust? Licensed trustees. Apostrophe S, registered office. Merci beaucoup, Monsieur. Thank you. If I got it right, where its accounting records are kept outside Seychelles Lodge, not less than on a biannual basis, the accounting records at the licensed trustee's principal place of business in Seychelles, provided that any accounting records, whether outside Seychelles or not, shall be presented to the Seychelles authorities on request. Merci. Correct, Mrs. Payette. Yes. Shall we vote? Vous pouvez proposer ça comme un amendement? Yes, Honorable George. On croit nous pouvons faire même affaires avec ça. Un peu plus loin, si nous avons fait tous les deux en même temps, Mr. Yes. Speaker, nous pas besoin de vote des fois. Agreed. Il y en a un qui vient après ça? Yes, private trust. So, mon quoi, ou capable de dire, ça amendement, il applique pour sa section et l'autre section, honorable George, il y a pas. Oui, Mr. Speaker. Meet the requirement, là? Même amendement, il peut paraître dans 27.1A, little 2, et 27.1B, little 2. Thank you. SS Payette ou? Mr. Chair, pour 27.1B2, il vous en dit, c'est un signe aussi à cause de sa private trust company registered office.
tandis qu'il s'en prenait tient license trustee. Mm-hmm. So, il y en a un petit tweak dans langage aussi. Yeah. Yes. Ça veut dire, il semblait moins, nous avons à séparer, on aura besoin d'un petit. Il y a un thème là-dedans qui est différent. So, on retourne au 27.1. With your permission, on aura besoin 27.1 et Roman numeral 2. Oui, Mr. Speaker, mon motion, c'est pour sans ça qu'il a et remplace-le avec where its accounting records are kept outside Seychelles, lodge, not less than on annual basis, the accounting records at the licensed trustee's principal place of business in Seychelles, provided that any accounting records, whether outside Seychelles or not, shall be presented to the Seychelles authorities on request. Merci. Secondé, okay. Mr. Chair. Secondé, Honorable André, membre qui en faveur, pour sa amendement, s'il vous plaît, lève la main. Bien, et aucun membre qui compte? Merci. Votre amendement pour sa section proposée par Leader of Government Business, 24 membres votent pour, 0 contre et 9 abstentions. Amendement inapprouvé. Reprend l'autre, Honorable George. Merci, Mr. Chair. Est-ce que le panel est capable d'aide-moi avec l'amendement, s'il vous plaît? SS Payet va répondre. Sa phrase. Mr. Chair, il peut se moding, excepté nous pour replacer sa license trustee principal place of business in Seychelles avec private trust companies registered office in Seychelles. Ce sont différents si pour sa license trustee principal place of business in Seychelles with the private trust companies registered office in Seychelles. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, so the amendment to 27.1b, Roman 2, where its accounting records are kept outside Seychelles Lodge, not less than on a biannual basis, the accounting records at the private trust company's registered office in Seychelles, provided that any accounting records, whether outside Seychelles or not, shall be presented to the Seychelles authorities on request. Thank you. Mon quoi, c'est ça. Secondé. Maman a voté, s'il vous plaît. Ça qui est en faveur, c'est un amendement. Lève la main. OK, aucun vote compte. Merci. Le proposed amendment de sa section qui nous était proposé par honorable leader of government business, 23 membres in vote pour, 0 contre et 10 abstentions. Merci. Sa amendment est approuvé. Merci, Mr. Chair. Yes, honorable André. Clause 28, il a fait he or she, so. Nous finis dit que chaque fois, je m'en vais nommer sa section, qui, sa clause qui nous passe tout là. Clause 28, sub 8, correction handover. Dans clause 10, 28-10, spacing between. Excusez-moi, un moment, on aura demandé, oui, on aura pilé. Oui, mon PCC Rebus Committee 27.2, dernière année, last line, third line, principal place of business. Tiens, on va pas d'aller. Corrige ça au... Côté ça, Mr. Mr. Section. Sorry? 27.2, il peut faire l'île mal. Si il reste hors business, ça veut dire qu'il n'y a pas de convé, mais il n'y a pas de convé.
27, 2. Third line, dernière ligne. Approve trustees, principal place of business, not all business. Okay, of business, yes. Okay. Panel va nous objecter, nous continuer. Nous le 29 présent, 29, 1 et pour delete under the authority, à cause il apparaît deux fois, under the anti-money laundering. So il peut lire comme ça, the authority under the Financial Services Authority Act or under the anti-money laundering and countering of financing, countering financing, the financing of terrorism act 2020. Thank you. Honorable André, mon supposé, il y en a un bon pays. Yes. Bon amendement pour prendre et peut-être je tiens à considérer pour un break là, pour recharge batterie. Donc, nous répondons 4 heures. All rise.